اليوم كلية العلوم والتقنيات تعيش على وقع نشاط جديد مختلف عن أنشطتها العادية، ألا وهي الإعلان عن كلية بدون تدخين. هذا العمل نظم له لأسابيع عديدة بشراكة مع المركز الصحي الجامعي الذي نشكره بالمناسبة، والذي قام بمجهودات جبارة بحيث كان يقوم بحملات تحسيسية لصالح الطلبة للامتناع عن التدخين لأنه مضر للصحة. على هامش هذا اللقاء الذي نظم اليوم نظم كذلك طلبة كلية العلوم والتقنيات سيمي ماراثون، يعني نصف ماراثون بالفضاء الجامعي. فإيمانا منا بهذه المسألة قمنا بتنظيم هذا اللقاء اليوم، والحمد لله توج في آخره بالتوقيع على ميثاق. اليوم نعتبر كلية العلوم والتقنيات بسطات بجامعة الحسن الأول أول كلية بالمغرب توقع على ميثاق كلية بدون تدخين. Nous célébrons aujourd'hui la déclaration au niveau de la faculté des sciences et techniques, une déclaration comme établissement sans tabac. Alors j'ai eu le plaisir justement de signer une charte avec le doyen de la faculté des sciences et techniques, monsieur le délégué du ministère de la Santé, une charte qui stipule la faculté des sciences et techniques établissement sans tabac avec des règles à suivre, notamment l'interdiction de fumer dans les espaces publics et puis également des sanctions qui pourraient s'en découler. Alors, justement, comme vous le savez, cette journée, elle a été réalisée dans le cadre de lutte contre le tabagisme. C'est une journée qui s'est déroulée, qui a démarré avec un mini-marathon qui est parti de la Faculté des sciences et techniques, qui a fait le tour de la ville de Stade et qui a bien sûr donné des gagnants. On a primé tout à l'heure. Et puis, ce qui est important au niveau de ce marathon, c'est surtout justement ce symbole en célébration de la lutte contre le tabagisme, c'est-à-dire ce cadre sportif sain qui contrecarrait justement ce fléau qui est le tabagisme. Alors, c'est une expérience que j'ai déclarée justement extraordinaire au niveau de la Faculté des sciences et techniques de l'Université Hassan Ier. Une expérience réussie, une expérience pilote qui a duré à peu près une année, où il y a eu la participation du centre médico-universitaire avec nos médecins. Les recommandations que j'ai émises aujourd'hui au bout de cette expérience magnifique, où on a pu détecter toutes les causes, où on a pu sortir cette charte au niveau de la Faculté des sciences et techniques, c'est que on va justement élargir cette expérience à tous les établissements de l'Université Hassan Ier afin de pouvoir dans quelques mois parler et puis déclarer une université, l'Université Hassan Ier, université sans tabac, Inch'Allah.